traverse ma tête, même si je crois qu'elle s'en doute. Tu sais, l'instinct maternel. Ce matin, tombe tout vu du fleuve Niger, les rebelles ont tiré des centaines et des centaines de balles. J'avais peur, puis un moment, je suis parti ailleurs. J'avais l'oreille qui sifflait avec une grenade qui était explosée, alors que j'escortais une petite famille chez elle. La tombe s'est touchée dans le bas du dos, elle ne marchera plus. J'ai la haine, je sens le besoin de rentrer. J'ai lire les voyages de Sylvain Tesson. Traîner dans les bars d'Orléans et retrouver mon chez-moi près de la Loire, chaque soir, sans exception. Retrouver mon chez-moi près de la Loire, chaque soir, sans exception. Je cherche toujours des frissons sur ma peau. Les yeux qui se ferment, une envoi qui s'éteint avec mon cerveau. L'adrénaline, c'est pas tout à fond, le danger est naïf. Il arrive à fond, je recherche la peur, car j'ai peur de vivre. Un gros plein de nation, pourtant. Je ne supporte plus la vue du sang. Trop souvent je regrette. Oh le bordel en plus. Oh putain, ça y accepte qu'il peut faire des trucs comme ça. Putain, ça va faire crash le serveur. Putain. 80% je suis sûr que ça fait crash le serveur. Je t'ai même pas eu enculé. Ouais, je stream pour montrer à l'autre blaireau ce qu'il est en train de faire. Je pariais 1€ que ça crache. Ah mais j'approuve pas, mais ça me fait rire quand même. Je crois pas que la grue va rester debout après ça. Bah écoute, je pense qu'on sera au sol. On descendra plus rapidement. Le commissaire est ingénieur et il aurait mis quelques atomes d'uranium dans une des soupapes. Ouais, dans les soupapes, ouais. Ouais, et... dans les roulements à billes. D'accord. Vous avez de quoi lancer l'alarme atomique? J'ai toujours ce qu'il faut, ouais. J'ai ma petite valise. Je pense que les barrières sont pas utiles, hein, mais ce n'est que ma vision des choses. Hein. Bobby, enlève les barrières, ça sert à rien, tout le monde va rire. Tellement dégueulasse cette boisson. Ne te gratte pas dessus, connard, c'est pour la manger. J'y ai cru. Putain, ce délire.
Non, ça me fait penser que j'ai pas changé le nom du TS. Faut pas qu'il fasse péter pendant que je fais ça. Bon, on s'en bat les amis. Même pas ça a craché. Félicitations. C'est le 14 juillet. Eh ben. C'est un nouveau système d'éclairage de la ville. Ouais, très économique, hein. Pas très écolo, mais très économique. On appelle la déforestation de Mars. Il raconte que les conneries, lui, c'est pas possible. Ah bah voilà. La petite flambée du soir, le petit barbecue. Je pense qu'on va pouvoir faire cuire le mouton là. Ah, le problème c'est que là il faut pas. Remarque qu'on a l'avantage, c'est que je pense qu'on peut les faire cuire d'ici. Hein. Je sens la chaleur là. Ah oui, oui, là on peut faire. Ouais, j'ai l'impression d'être dans la chambre avec ma femme tout nue là. Ah, quoique, ça dure pas assez longtemps. Là, l'éclairage est pas assez long, va falloir appeler le gestionnaire de l'entreprise d'éclairage. Ouais, je pense, ouais. Allez, j'arrête cette connerie.